D'abord, je rappelle que je suis ici dans le cadre de la 150e session du Conseil de la FAO pour porter la voix de l'Afrique parce que je suis le président en exercice de la conférence régionale. Nous avons avec la FAO plusieurs axes de coopération et les derniers programmes que nous avons lancés avec la FAO à Abidjan sont liés à l'appui aux producteurs, notamment l'intensification de la production vivrière, et c'est un domaine dans lequel nous avons besoin de l'expertise de la FAO parce qu'en effet, nos femmes, braves femmes qui produisent 90% des productions vivrières le font encore avec des moyens rudimentaires. Et nous apprécions l'appui que la FAO nous apporte dans ce domaine-là. Ce sont des sujets qui relèvent bien sûr des missions de cette organisation des Nations Unies. Mais particulièrement en ce qui concerne la région Afrique, il y a quand même, au niveau de l'avenir, une conférence, nous souhaitons que nos priorités soient prises en compte au niveau du Conseil. Il y a un certain nombre de conclusions que nous allons présenter en juin 2017 au niveau de la conférence elle-même. Nous avons relevé deux questions principales, notamment la décentralisation. Nous pensons que c'est pertinent. Le directeur général porte ce projet, mais nous avons, au nom de l'Afrique, soumis au Conseil notre point de vue là-dessus. C'est une question qui fera l'objet de débats au point de vue de l'agenda du Conseil. Ensuite, nous avons parlé du partenariat public-privé qui est à promouvoir au niveau du secteur agricole. Nous avons parlé aussi du changement climatique. Nous avons parlé de l'appui aux petits pays insulaires pour qu'on renforce leur système de production et leur capacité de résilience. Donc, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Vous savez très bien que la question du changement climatique fait objet de débats au niveau mondial. La COP 21 s'est tenue. En perspective de la COP 22, nous pensons que c'est une question sur laquelle les pays africains doivent dire clairement ce qu'elles attendent des autres nations. D'ailleurs, c'est une question qui a fait l'objet de débats tout à l'heure entre moi-même et le directeur général de la FAO. Et nous allons travailler dans les prochains jours de manière à faire en sorte que l'Afrique, de ce point de vue, les ministres de l'Agriculture africaine, nous puissions parler d'une seule voix et dire clairement ce que nous attendons comme appui de la FAO dans le cadre de la COP 22.